Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Escape the Pacific. Alors, voyons voir. Ça donne quoi? Ah, on a un coffre déjà. On a un coffre ici. On a une tortue. Pour la coquille, j'en ai besoin. Désolé, hein. On démarre direct sur de la... sur du meurtre. Je peux la mettre au sac. Limite de stockage. Ici, éventuellement, est-ce que je peux pas me refaire un petit vite fait... Il a l'air de pleuvoir régulièrement. Petit bâton. Oh, petit bâton, c'est jouable, hein. Oh génial, il y a un tonneau, je l'avais pas vu. J'ai l'impression qu'il n'y a pas les mêmes objets qu'avant la sauvegarde. C'est moi ou... Peut-être. Oh, il va être fini. Ah, il en faut un autre. Ah, c'est bon. On va complètement la raser, cette île. Voilà, on collecte un peu d'eau. Bon, il pleut. Alors, on était arrivé ici. On avait constaté que l'île semblait plutôt vide. C'est drôle parce que j'ai pas souvenir qu'on avait ça. Est-ce que c'est au rechargement ou j'ai eu des trucs en plus? C'est très bizarre. Oh, il y a des tortues partout. Exceptionnel, hein. Ah ouais, je peux pas. Alors, je vais ramener les ressources ici, dans la zone qui est là. Il va falloir également que je ramène... le petit tonneau qui est là, c'est un tonneau de flotte. Parfait. Je vais sortir mon seau. Il me semble que j'ai le seau qui se trouve dans un des... Par contre, je ne sais plus lequel. J'avais un seau dans un des coffres. Ah bah oui, il est là. J'ai chaud, j'ai soif. Ah oui, bah oui, évidemment. Forcément. Oh non, ça s'est arrêté. Bon, on va installer tout ça là, au cas où. On a un peu de flotte ici. On en a... Bon, on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose. Mais on a encore un stock d'eau conséquent ici. Et on vient de récupérer, du coup... D'accord. Ça m'a rempli mes pots de sel. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette île? On a une lampe à huile supplémentaire. Je vais laisser la cire pleut, comme ça j'aurai tout. Je pense qu'un des réflexes à avoir, on utilisera le coffre qui est ici. Comme ça, je ne le chercherai pas. Bon, dans le deuxième coffre, c'est bien. Je mettrai toujours les seaux dedans. Et comme ça, dès que j'arrive sur une île, je sors tous les récipients en cas de pluie. Alors, l'île nous dit quoi? Elle nous dit pas grand-chose. Hein. Ça a l'air un peu vite. Ça a l'air un peu vite, je trouve. Alors, on a... On a l'air d'avoir un petit bout de caillou là-bas. C'est un rocher là-bas. Nous, on vient donc... je crois qu'on vient de entre deux là-bas. En fait, on vient de l'île qui est là. Voilà, on vient de ici. Ça, c'est C. Ça, c'est A. Donc, c'est nos îles de départ. Et du coup, on a dans nos pistes de réflexion celle-ci. Alors, je clique. Mode visée. Tu veux pas me... Ah, c'est bugué maintenant. Je peux plus la marquer. D'accord. Et là-bas, on a un bout de truc aussi. Par contre, je peux pas la marquer en cliquant. Vous voyez, je clique, il ne se passe plus rien. Avant, ça se passait. Maintenant, ça se passe plus. Bon, alors, voilà. Ils ont patché un truc. Je ne sais pas trop quoi, mais je ne peux plus marquer mes îles. Donc, il va falloir qu'on se repère au doigt mouillé. C'est triste. Je pense qu'on va... Je vais aller checker quand même dans l'eau. Au cas où on verrait pas, je pense pas qu'on voit pas une épave ou un truc comme ça. Mais sait-on jamais. Ah oui, il y a le coffre à ouvrir. Alors, attendez, on va peut-être avoir des indices là-dedans. C'est pas exclu. Ah. On a un coffre vide. Bah, il nous intéresse pas des masses, en vrai. Et là-dedans, on a rien du tout. Bon. C'est une île plutôt inintéressante.
prends les plumes. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose dans la flotte. Je vais utiliser la technique du viseur pour voir si à l'horizon il y a des trucs. Il n'y a que là et ici. Bon, bah, je pense qu'on va se faire celle-ci, ça me paraît bien. Bon, je vais faire mes rangements et après on décolle. On va pas rester trop longtemps ici. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. On accumule du merdier assez vite, j'ai l'impression. Et on avait de la bouffe aussi ici. On a déjà une coquille de tortue au cas où. Du coup, ça, on va pouvoir le poser ici. C'est la réserve d'eau. Et on va faire une corde vite fait. Encore des cordes. Évidemment. Voilà. Du coup, je ramasse tout ça. Ça va nous faire du petit bois. Hop, voilà, tout ça. Ça. Le soleil se couche. Il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire, et c'était pas bête, de dormir par terre. En fait, quand on dort par terre, le temps passe... en fait, le personnage se repose en moins vite. Du coup, c'est intéressant parce que ça permet de passer la nuit et d'éviter de se retrouver dans la nuit noire. Est-ce qu'on tente ça? Alors, ensuite, au petit matin, je pars où? Je la sens bien, la petite merdique. Déjà parce qu'on la voit pas bien, donc j'ai pas envie de la louper. Celle-ci, on la verra toujours. Donc on commencera, je pense, par celle-ci, qui m'a l'air plus visible. Et je vais dormir là, dans l'herbe. Ça me paraît bien. Je peux dormir? Oui. Ou je sauve, avant. Pas de plantage, hein. On dort. Jusqu'au lever du soleil. On va tenter ça. Est-ce que le soleil se lève là? Oui, le soleil se lève. Le perso en est où? Il est parfaitement bien. Ouais, c'est impeccable ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir partir en direction de l'île qui est là. Alors on va tenter le petit coup de molette. Je vois pas grand chose. Hein. Faut que j'arrive à le tourner déjà. Ok, l'avant est par là. Nous, on va partir par ici. Orientons-nous correctement. Et j'entends les bruits de mes pieds dans l'eau. C'est bon. J'ai l'air d'être dans la bonne direction. J'avais le collecteur. On va tenter notre petite astuce. Ah merde, j'ai fait un toit, moi. Ça, c'est peut-être pas une bonne idée, ça. Hop. C'est bon. Il est dedans. Je réfléchissais à ça. Attendez, on a quoi sur cette île? Est-ce qu'on a des gros arbres? Attendez, vous savez ce que je vais faire? Je vais voir si je peux pas rajouter une voile. Juste pour qu'on gagne en vitesse. Peut-être. Je vais voir si j'ai un gros tronc là-dessus. On teste. Hein. Branche épaisse. Branche épaisse. C'est bon, j'en ai deux. On va faire ça. On va profiter de cette parfaite obscurité. Pour faire des crafts. Alors. Faisons ça. Comme ça, on aura en fait un mât supplémentaire. Une branche épaisse et 10 marteaux. Donc j'ai moyen de me faire un premier mât. Et où? Je la vois là. Merde, il est où mon plan? Oh, c'est une catastrophe. Il a dû rouler. Parce qu'en fait, les plans roulent. Faut que j'arrive à le faire plus dans la lumière ou je redors un peu. Je vais tenter de redormir un peu. On y gagne un tout petit peu. Ah oui, on m'a dit aussi. Normalement, on doit pouvoir passer le temps. S'asseoir. Et attendre. Le temps est accéléré. Ouais, c'est bien ça. Là, mon personnage attend. Est-ce qu'on y a gagné un peu en luminosité? Ah, je vois mieux mes branches. On les voit un petit peu mieux. Génial. C'est bon. Oh. Ok. Donc là, je le prends. Il est où? Ah, il est là. C'est bon.
Ouais, c'est un peu random ça. On va le poser ici. Je suis sur mon radeau là. Non, là j'y suis. Alors, il est où? Ah, il est là. Et ici. Ah non. Ouais, il faut le marteau pour faire ça. Ah, attaché. Faites glisser le mât pour pouvoir l'attacher. J'ai bien le marteau là dans la main? Oui, c'est bon. Attendez, attacher, clic droit. Faites glisser l'extrémité basse du mât pour pouvoir l'attacher. Ah, ça y est. Ah, il faut vraiment cliquer bien au bord, quoi. Alors, ouais, c'est bon, on le voit ici. Super, on voit là un premier. On va essayer de recoller un deuxième. Je vais le faire comme ça. Vous allez voir, ça va être fantastique. On va se faire un 5 mâts pour le coup. Un 5 mâts, ça... Oh. J'ai été attaqué par un fantôme de mât. On va y arriver. On va se faire un 5 mâts asymétrique. C'est un 5 mâts de nuit pour l'instant. Hop là. Ouais, voilà, super. On va lui trouver une petite place là dans tout ça. Tiens, regardez, hop. Alors, maintenant, on va faire les voiles. Alors, ici, on a quoi? On a juste ça. Est-ce qu'on va avoir de quoi faire? Oui, peut-être. Peut-être, peut-être. Les voiles en bananier. Il faut 4 feuilles de bananier. On va déjà en faire une. Ici. J'en compte combien? Je pense qu'il y en a largement le compte. Mais je suis pas sûr que le jeu me donne le compte. Une. Deux. 3, 4, je crois que le jeu va m'enfumer une de mes... Ouais, une de mes feuilles. Ah, il faut des longs bâtons aussi. C'est bon, on a ce qu'il faut ici. On va lui coller autant de mâts qu'on peut. Et après, ça va aller à toute berzingue. Tourner à gauche, attacher. J'attache là, hein. Ah yes. Voilà, il est mis. Je crois qu'on est... On est bien là. Là, on est pas mal du tout. Ah, super. Et je crois que le soleil, enfin, a l'air de se lever. On n'a pas des petites feuilles en plus, là? Je crois que non. Hein. Non, on s'est un peu fait enfumer. Ah, remarquez, si je pète la cabane ici, est-ce que je récupère des trucs? On peut pas la casser. Ok. Ok, c'est bon, on est parti. Alors, la petite sauvegarde, hein. On sait bien, on a tendance à faire des bateaux sous-marins. On voudrait pas finir dans une situation de type catastrophique. Ok, mon cap est devant, là. Donc, hop. Alors, U... Okay. Non mais c'est une blague. Ça va se remplir ou pas? Il est où? Merde. Ce jeu se fout de ma gueule. Non, ça s'est arrêté. Ah bah oui, on s'est arrêté et on est parti je crois. Ok, nickel. Très bien. Ok, c'était une pluie éclair. Ok, donc on va partir par là-bas. Ah oui, c'est par là. Faut qu'on braque pas trop. On va y aller doucement. J'ai l'impression qu'on va plus vite qu'avant, non? En tout cas, on a un bon vent. Ça tourne ou pas? J'ai pas l'impression qu'on... Attendez, on va braquer un poil plus, même si j'ai peur que... Non, si, on tourne doucement, quoi. Il y a l'air d'avoir un... Mais il n'y a pas d'arbre là-bas. Hein. Bon, là-bas, vous me direz, il ne doit pas y avoir masse d'arbres non plus. Hein. On part pas sur quelque chose de très arbreux. Voilà, c'est un jeu qui prend le temps. Non, les phases de navigation sont super chiantes. Je pense qu'elles ont vocation à être réalistes. Je pense que quand le jeu aura pris un petit peu de... aura un peu, voilà, tourné dans son jus, ils auront trouvé une mécanique, arrivé à conjuguer, parce que... J'ai l'impression qu'ils souhaitent proposer une expérience de navigation réaliste. Dit le mec qui a installé 4 mâts sur un radeau et une mini cabane. Mais
J'ai l'impression qu'il souhaite avoir quelque chose d'un peu réaliste et d'un peu technique, vous voyez. C'est plus pas tellement réaliste, c'est plus technique, vous voyez. Jouer avec les courants, machin, tout ça. Voilà, là on a réussi à tourner. Je pense qu'il souhaite obtenir ça, mais il faut leur rappeler aussi qu'on est dans un... on est dans un jeu vidéo, hein, le but ça reste de s'amuser. Et après c'est parce que c'est très buggé. Mais la partie transport est assez longue. On va pas se mentir, on va rester un peu comme ça sur le côté. Pour attraper, on va s'asseoir avec eux. Voilà. Je peux piloter pendant que je m'assois? Ouais, je peux piloter. Donc du coup je vais utiliser U et on va voir si ça marche. Ça a l'air de marcher. On peut naviguer en accéléré. C'est très bien ça. Ah, ça a l'air d'être une île un poil plus grande que ce que je pensais. Pas. En fait, c'est la même que celle qu'on vient de voir, mais sans arbre en fait. Il y a juste rien du tout. Oh, la tristesse de l'île. Qu'est-ce que c'est que cette île? Il y a rien du tout en vrai. J'y vois une branche. Alors... Hop. C'est bon. Il en est où, lui? Il commence à avoir un petit peu soif. C'est orageux. On voit les nuages passer. Vous savez ce que je vais faire par sécurité, le temps de fouiller l'île? Je prends mes seaux. Voilà, on va les mettre ici. Oui, il y a plein de mouettes. Est-ce qu'on se ferait pas un petit plein de mouettes? Roche moyenne. Oh, ça voudrait dire qu'on peut trouver éventuellement une pioche? Peut-être, hein. Il y avait quelqu'un ici. Bon, il a dû galérer à trouver du bois, par contre, je pense. Hein. Je vais juste, par sécurité, voilà, l'avancer comme ça. Il y a des mouettes. Ah, j'ai vu un tonneau là-bas au fond. On a des rochers, mais on peut rien en faire de ça. Il y a quoi ici? Il y a un tonneau là-bas, une branche. Est-ce qu'on voit... Une épave, j'ai pas l'impression. Il y a des mouettes là. Allez, venez. Bon, on va essayer de s'en faire une ou deux. On va essayer de s'en faire une ou deux. Hop, j'emmène ça. Ça, c'est pour moi. Oh, regardez, ils reviennent sur place. Oh, il aurait fallu que je me fasse en fait des flèches. Vous voyez? Pour pouvoir m'occuper de ces petites mouettes. Parce que là, à la hache, c'est un peu compliqué. Ah, j'en ai une. Non? Non, perdu. Je vais attendre qu'elle se repose. Bon, j'arrive à être un peu technique. Je vais vous montrer. C'est bon. Ouais, je l'avais là. Oh non! Ça y est, ça se remplit! Oh bah c'est parfait ça. Attendez, ce que je fais pour que le jeu comprenne qu'il y a des sauts, je les bouge juste un petit peu. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais moi ça me rassure. La chasse à la mouette à la hache, hein, pour ceux qui connaissent pas. C'est une vieille discipline normande. Oh, bah je l'ai eu là. Ah non, je l'ai raté. Trop de puissance, beaucoup trop de puissance. Pendant que ça pleut, je chasse la mouette. Ah la hache, c'est pas l'idéal. Ah oui, elle, je peux la voir. Ah, j'ai coulé un rocher. Ah non. Ah dommage. Non, je peux pas les avoir. Faudrait que je me fasse des flèches. La hitbox, elle est pas très au point. Ok, super. On a les seaux qui se remplissent. Je vais aller me mettre à l'abri pour pas attraper froid. Parce que j'ai froid. Je pense pas être très à l'abri là-dessus. Autant ça, ouais, j'y crois plus là déjà. On va en profiter, je vais faire des repas. Donc apparemment, il y a une dégradation des constructions. Visiblement. Comme on peut le voir. Hein. Donc je pense qu'il faut faire attention. Peut-être qu'avec des tempêtes, la dégradation est plus prononcée. Peut-être. Mais visiblement, faut réparer. Ça, par contre, ça ne coûte pas de ressources de réparer. Ça, c'est bien, ça. Faut juste penser à le faire, quoi. Voilà, faut penser à le faire. Du coup, pour moi, c'est fichu.
Je suis à l'abri là? On n'a pas une indication qui permet de savoir si on est à l'abri ou pas. J'ai pas l'impression. Ah, puis le problème c'est que je vois pas où je veux aller après. Quand il fait ce temps là. Je sais plus par où c'est. Ah, c'est par là. Ah mince, c'est par là. Ça se remplit ça? Oh oui, pas mal, eh. Alors tout à l'heure, quand j'ai commencé à poser des trucs par terre, ça a coupé l'eau. Ça a coupé la pluie. On va essayer. Voir si le jeu est cruel. Hop. On va se faire un petit billard. Ah bah voilà. Bon, pour l'instant c'est... Ah, ça se remplit. Ah, vous voyez, quand j'installe les bocs, ça coupe la pluie. C'est pas mal ça, hein. C'est drôlement commode. Des coquillages. Il va falloir qu'on voit si on peut se préparer des coquillages quand même. J'ai 3 bidons, très honnêtement, je pense que... Ouais, très honnêtement... Voilà, je vais pas ramasser ce bidon-là. Je le laisserai si jamais un autre survivant arrive. Parce que vous voyez, j'ai ceux-là à remplir. Ouais, 55. C'est très bien. Je pense qu'on a assez d'eau. On est pas mal niveau flotte. Ça va être long et chiant. Hop, puis là-dedans, il n'y a rien. Ça, je le prends. C'est bon, il est vide. Celui-là, il est rempli. Ouais, on est pas mal, là. On est pas mal du tout. Allez, hop, je remets tout ça ici. C'est la zone conteneur, ici. C'est notre garantie flotte. J'en suis où ? J'ai un peu soif, j'ai un peu faim, mais j'ai tout ce qu'il faut pour manger sur le bateau. On pourra manger pendant le trajet. Ce qui paraît une bonne idée. Hop. On va tourner le bateau. Oh, attendez. On sauvegarde. Bon, c'était un petit peu l'île de la dépression. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il n'y avait rien sur cette île. Allez, tourne-toi, bateau. Ok, on est dans l'axe. On est pas mal dans l'axe, là. On va aller voir cette nouvelle île. Je vais me mettre pas trop loin, histoire d'arriver à grimper sur mon bateau. Voilà, parfait. Et ben, c'est parti. Voilà. Je pars toujours un peu en biais au départ. J'aimerais bien choper le petit trait supplémentaire en bas, là, dans lui. Ah, là, je l'avais, là. Non? Peut-être pas. Bon, je pense que je suis bien incliné comme ça. Ouais, je suis pas mal incliné comme ça. Ah, ça y est. Là, j'ai bien, là. Oh oui, je suis pas mal. Tac, voilà. Là, je suis pas mal. Là, je suis bien, là. Oh, c'est tout droit, là. On va aller voir si on peut pas aller grailler un petit morceau, là. On va aller manger. Alors, arriver sur l'île, bah, ça va dépendre de ce qu'on trouve. J'aurais aimé trouver, en fait, moi, une île. Je vais regarder où j'en suis de mes stats. Mer, j'en ai fait que 3. Du coup, on va remanger un poisson. Ça, c'est bien. On pourrait même remanger mer. J'ai un peu soif, mais bon, ça va. Faire repêcher sur place. J'ai plus faim. On va boire. Celui-là, c'est mon gros stock. On est bien. Du coup, je m'assois. Voilà, hop. Oui. Je fais E. Et on attend. Mais non, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a un bug, en fait, c'est quand on s'assoit, vous avez vu? Je suis repassé dans lui, et en fait, le... Alors, soit le vent a tourné,
Attendez, je vais essayer de tourner dans l'autre sens. Ouais, on était parti en marche arrière, en fait. C'est un peu bizarre. Ah, oh, oh, regardez, là-bas, ici, île. Oui, on a un truc là-bas. Ça y est. Ah, ça y est. Parce que c'est là d'où on vient. Ça, c'est l'île toute pourrie, complètement à droite. C'est l'île toute pourrie où on est arrivé tout à l'heure. Ça, c'est l'île de départ. Et là, ici, on a une île au caillou. On a une épave et on a encore une île là-bas. Oh, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très, très bon. Les affaires reprennent. Hop, je repasse à vitesse normale. Stop. Se lever. Ok, parfait. Ah, attendez. Voilà, c'est bon, on est levé. Alors, bon, je vais pas sortir, mais qu'est-ce qu'on a? Je vais fouiller. Je fouille d'abord et après, on verra. Est-ce que je, ouais, prendre des cailloux. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure, vous avez vu, on a vu des gros rochers comme ça, la roche moyenne. Est-ce que ça veut dire qu'on peut, ah, on peut faire des petits cailloux avec. J'ai pas pensé à vérifier tout à l'heure. D'accord. On peut faire un petit caillou avec un gros caillou. Ah, on a une barque. Oh, on a une caisse. On a une caisse qui nous dit... qui nous dit plein de trucs. Plein de trucs. Voilà, merci. La caisse, c'est pour moi. Je regarde. Oh, j'ai une mouette. D'accord. Et on a une épave. Et on a... on n'a rien à l'horizon. À part là-bas, il y a une petite île. Ouais, il y a une petite île. Petite île juste là-bas. Hein. Donc ça vaut le coup. Voilà. Mage, clic. On va vider ce coffre. On va le mettre ici. Je pense qu'on va faire une petite corde. Il n'y a plus de place dans celui-là. Du coup, c'est celui-là qui va servir. C'est nos objets de quête ici. Donc, on stocke. On avait déjà une marmite. Ah, on a du fromage. C'est cool, ça. Ça nous fait à manger, ça. On en avait chopé, mais il avait disparu. Ou il a pourri, j'en sais rien. Pour hermétique, graines, carottes, maïs. On m'a mis en commentaire qu'on pouvait... qu'on pouvait planter des choses sur le radeau. Donc je pense que dès qu'on trouve une île avec des arbres, ça sera le plan. Mettre la pierre ici en attendant. Ok. La petite sauvegarde, hein. Soyons prudents. Je vais poser mes affaires ici. Hop. Voilà, pour qu'on les voit bien. Ça, je lâche. Je suis comment? J'ai pas mal soif. Je bois un coup avant d'y aller. Petite épave. Elle a l'air au bord. Hein. Mon personnage penche. C'est bizarre ça, non? Je suis bloqué. Je suis coincé. J'avais la tête coincée dans le mât. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des canons. Un coffre, peut-être. Qu'est-ce qu'on a? Oh, si, on a un truc là. Alors, pareil, on m'a dit, ne les prends pas. Voilà, transporte-les comme tu transportes tout, en utilisant la force. Ça marche beaucoup mieux, en effet. Hop, on retourne. On a récupéré une caisse. J'en ai pas vu d'autres. Eh, c'est le sextant, ça, non? La petite note nous disait, vous vous souvenez, hein? Elle disait au sud. Au sud, le sextant, tu trouveras. Alors, est-ce que c'est un sextant, ça? Oh oui, c'est un sextant, ça, c'est obligé. Je suis un peu déçu. Je suis déçu.
C'est pas grave. On va aller voir du coup l'île là. Oh, attendez voir, parce que vous voyez, moi, c'est l'œil de lynx. Ah bah. Je l'avais vu. Évidemment que je l'avais vu. On va le vider. On va pas l'emmener, on va le vider. Bon, je vais refaire le tour de l'île parce que j'ai l'impression que j'ai raté des trucs. On aimerait trouver le sextant parce que le jeu nous a dit que le sextant se trouvait au sud. Mais pour l'instant, c'est pas foufou. Celle-là, par contre, j'aimerais bien l'attacher. Donc, évidemment, on va refaire une corde. Alors, on refait le tour de l'île vite fait. Juste pour voir s'il y a des trucs... S'il y a des trucs chelous. Ah oui, il y a des trucs de mouettes, là. Il y a des œufs. Alors, si elles attaquent pendant que je leur pique leurs œufs, ça me plaît pas trop, ça. Je vais sauver, mais je vais quand même leur piquer des œufs. On va essayer. Je vais sauver avant et ramener tout le bordel. Pour pas m'éparpiller de trop. C'est pas le genre de la maison de s'éparpiller, vous le savez bien. Je fais la corde, j'attache le coffre, et ensuite, on ira tenter de tuer des mouettes en leur piquant leurs œufs. Peut-être, en fait, si elles m'attaquent, je vais pouvoir les prendre, vous voyez, les yeux dans les yeux, quoi. Elles vont pas tenter de fuir parce que je les attaque, elles vont venir vers moi volontairement, et j'aurai plus qu'à les cueillir. Ça, c'est les vieilles techniques de... Bon, avant, moi, j'étais chasseur de mouettes, hein. J'étais embauché sur le bord de la plage pour la... Voilà, pour que les gens qui viennent en vacances soient un peu au calme. Et du coup, j'étais chargé de tuer les mouettes, hein. Et sans vouloir me la péter, j'étais plutôt bon. Alors moi, je faisais ça à la pagaie. J'avais un style bien à moi. Ah mince, c'est... Mais non, c'est nul. Mais non, c'est nul, c'est pas du tout ça. Ah, elles ont plus de coquilles, celles-ci. Ah, l'arnaque. On va manger. Ah, la crotte. Ah, là, j'en ai... Voilà, marron. Donc celle-ci, c'est bon. Yes. Je vais pouvoir ranger celle-ci. Voilà, les dépouiller, je les mets là. Voilà. Et les pas dépouillés, je les mettrai au bout. Je les mettrai ici. Yes, nickel. Faudra que je récupère lui. Ok, c'est parti. Alors, je vous montre. Tuto. Comment tuer des mouettes? C'est facile. Vous vous approchez comme ça, de façon complètement péremptoire. Vous les chassez. Hop. Vous piquez un œuf. Petit bâtard. Bah. Ça m'attaque ou pas? Ah, si, ça arrive. Hop, et de une. Putain, j'ai réussi. Je savais que ça réussirait. Dégage. Sale mouette. Attendez, je vais ramasser mon butin. Elle est où? Elle est là. Je peux la prendre comme ça ou pas? Par contre, on a entendu mon personnage faire... Hein? On a entendu ça. Hop, dans le sac. J'ai perdu de la vie, ça veut dire? Ah oui, santé 90. J'étais à 100 avant. Donc j'ai perdu de la vie, hein. J'ai perdu de la vie. Par contre, des mouettes, c'est intéressant. Est-ce que si je les épluche pas tout de suite, j'ai pas moyen de les garder plus longtemps? Genre là. Yes, je peux en mettre. Est-ce que je m'en referai pas une? Allez hop. Bon, on va s'en faire une deuxième. Visiblement, on peut les attirer en leur piquant des œufs. Et j'ai un œuf en plus. Oui. Alors par contre, je vais pas les attaquer avec des œufs. Je les attire. Je leur montre l'œuf. Je fais, c'est à toi ça. Viens le chercher si t'es... Viens le chercher si t'es une mouette. Dégagez. C'est mon rocher. Je l'ai pas prise. Attendez. Je l'ai mis en quoi? Je mets en raccourci 1. Hop. Là voilà. Hop là! Ça dégage! Alors? Allez, on s'en fait une deuxième, on est en confiance. Tac. On pense à mettre le raccourci avant. C'est 1. Bon, un coup les raccourcis s'en vont, un coup ils s'en vont pas.
Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Voilà, faut avoir la main de libre. La dernière est là, elle est où? Je ne sais pas. Prêt? Je prends. Prêt? Ah, ça y est, m'a attaqué. Elle était cachée dans un mur. Où est-elle? Je la vois pas. Ah si, la voilà, regardez. Elle était dans le rocher, en fait. Et hop! Bah du coup, j'ai perdu deux fois de la vie. Je ne sais pas du tout comment on soigne. Je pense qu'on se soigne avec les bandages. Donc ça, hop, ça va dans la caisse. Alors ce que je vais faire, comme j'ai ma boussole qui bug, hop, on va ranger la mouette et les mouettes là-dedans. On va aussi, bah, ça va plus dedans. J'ai plus de place. Pas grave, on a un nouveau coffre ici qu'on utilisera pour stocker la bouffe pas cuite. D'ailleurs, j'en ai ici. C'était la viande rouge. Elle est où? Elle est là? Elle n'est pas là. Alors, j'ai encore des noix de coco ici. Dès qu'on se trouve une île un peu plus charnue. Ah, bah j'ai. Oh! Gâté. Aïe. Ça, c'est périmé. C'est terrible ce qui nous arrive. Ok, j'ai rien oublié, on décolle tout de suite en direction de par là-bas. Ça me paraît très bien. Ma santé a l'air de remonter doucement. Ça se passe dans cette direction-là. Ouais, ça me paraît super. La petite sauvegarde hein, avant de partir. On connaît, on commence à être habitué. Voilà, hop, je suis dessus. C'est parti.